Allez, salut à tous, c'est Chiliax alias Mister696 pour une nouvelle vidéo sur cette aventure sur le launcher Feed the Best. Donc, nous sommes à l'épisode 3, donc nous allons continuer où nous en étions. Donc, je tourne directement la suite de l'épisode précédent, donc voilà. Donc, on se retrouve directement et en creusant deux trucs de charbon entre l'épisode pour juste pas oublier de prendre tout ce qu'il y avait là. J'ai trouvé ça, donc j'ai quand même voulu vous le montrer, donc juste pour pas que vous me dites que j'ai cheaté ou quelque chose d'autre. Ok, et ok, parfait. Donc on va continuer à descendre dans cette crevasse magnifique. Si elle est pas belle la vie. Ah là là. Je crois que dans toutes mes aventures, je trouve une... Non, c'est pas bon ça. Bon, c'est pas grave. Dans toutes mes aventures, je crois que j'ai chaque fois trouvé des crevasses. Donc là aussi, si vous regardez depuis le début, donc je sais pas si vous avez remarqué que ma première vidéo est à peu près 1000 vues. Non, plus de 1000 vues. Donc j'ai pas compris le pourquoi. Pourquoi tout d'un coup elle a eu autant de gemmes, donc ça je trouve ça vraiment cool, mais franchement c'est ouais voilà, c'est cool de votre part d'avoir fait cette vidéo. Oh, ça fait de la lumière en fait et on est presque plein, donc alors ça c'est du beau non du cinnabar, pardon, confondu, j'espère que c'est du tin ça parce que le silver. Parfait, perfecto, bueno, bueno. Pas pourquoi je dis ça, du reste, bueno, bueno. Et ça, normalement, c'est du ferrosor. Donc, ouais. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Magnifique petite descente par ici. Ouais, allez, du reste, on va aller par là. Ça c'est du lead, donc on croit presque de la patine, donc comme je vous ai dit, il faudra faire attention à ne pas confondre tout ça. Oula, mais c'est plein de ressources par ici. Ça c'est du tin, sinon je pouvais pas le creuser. Donc faites aussi attention donc à tout ce qui est, donc à ne pas confondre. Hein. Donc, vous voyez là, c'est du silver, je ne peux pas le prendre avec une pioche en pierre, donc faites attention à ça, mais normalement vous devrez... Ah, non. Yeah. Oh, c'est un spawner de... Ah, d'accord, je savais pas qu'il donnait ça, c'est la première fois que je trouve Logic Matrix Programmer. Donc je sais pas à quoi ça sert. Hein. Alors, on va éclairer ça. Oh, bon. Donc peut-être qu'on viendra là pour faire un peu de fight et d'expérience. Donc d'expérience, excusez-moi. Donc on va même le sécuriser un maximum. Tac et tac. Hop, et ensuite on va sécuriser l'entrée comme ceci. Donc normalement c'est des zombies, donc si je dis pas de bêtises. Tac. Voilà. Donc on était à là. Donc ça vous pouvez casser avec toute la main. Ouais, donc faites attention, essayez de regarder avec tout ce que je casse avec quoi. Donc la majorité sont cassables avec excusez-moi, sont cassables avec une simple pioche en pierre. C'est la même ça, donc ça c'est la même chose qu'avant en jaune. Et l'aluminium c'est une ressource nouvelle et qui est vraiment en énorme quantité. Ah bah parfait, on trouve du saphir qui n'est que pioche à la pioche en fer évidemment. Logique, tac, du saphir, ouais, je disais pas de bêtises, hein, j'ai eu et de l'émeraude et du oula, mais de l'uranium, de l'émeraude, oups, voilà, ok, donc il y a pas mal de ressources, hein, c'est vraiment pas mal. Donc après, à nouveau, ça qui doit être.
pour je ne sais pas quel mode. Et donc on pourra aussi s'amuser un peu peut-être, hein, je sais pas, je pense si je veux vraiment tout vous présenter avec le mode de Portal, enfin le mode qui ajoute tout ce qui est Portal à cette aventure, donc c'est pas bien dur à faire. Voilà comme ça. Donc il faut juste un diamant, deux obsidiens et c'est vrai. Donc il faut juste que j'aille dans le Nether et ça se trouve soit comme ça, soit autrement. Donc on peut soit, enfin, on peut aussi trouver dans des grottes. Donc on va devoir sûrement revenir ici par la suite parce que je pourrais pas tout prendre et je suis bientôt full. Oula, mais c'est vraiment la foire. Hein. Oula là, mais c'est quoi ça? Nom de Dieu. Nom de Dieu. Mais regardez ça. Mais je creuse un truc, il y a un autre carré. On va y arriver. Hein. Je vais finir au bout de cette grotte. Et je suis toujours pas descendu jusqu'en bas. Hein. Donc on est qu'à la couche 21. Donc pour ceux qui savent pas, Rise Minimum, là, c'est le nombre qui est entre parenthèses 21, c'est la couche. On est, regardez, je descends 20, je monte 22. Voilà donc. Une petite preuve que je dis pas que des conneries. Après normalement je saurais pas dire de conneries hein. C'est un peu le but. Enfin, je suis là pour vous faire une explication de ce mode et pas pour vous. Enfin, une explication de ce launcher et pas vous dire des conneries. Oh là là. Ça éclaire, c'est joli quand même. What? Pourquoi ça s'est éclairé tout d'un coup? Bon, on va prendre ça. Normalement de l'hépatite, ou l'apatite, pardon, je confonds toujours. Ah là là. Quelle belle aventure. Franchement, ce mode, c'est un des modes qui m'a le plus. Enfin, un des launchers. Enfin, c'est un truc qui m'a vraiment marqué, donc j'y ai joué pas mal de temps. J'ai encore pas tout, je sais toujours pas tout hein, donc mais petit à petit ça va arriver donc je vais me débrouiller donc tout, enfin j'ai un ami qui m'a bien expliqué déjà et avec la suite je vais pouvoir bien m'améliorer donc par logique on va dire parce que c'est même assez logique comme la redstone même si je trouve que la redstone c'est pas logique. Parce que je n'ai encore jamais étudié l'électricité. Mais je pense que pour ceux qui ont étudié l'électricité, ça doit être assez logique. Donc on va se faire un double coffre pour agrandir tout ça. Parfait, on a assez. Tac. Alors là-dedans, on met ça. De l'uranium. Ah, c'est du saphir aussi, mais ouais, ça doit être le bon. Saphir, de l'apatite, des quartz cristal, la selle, des logiques. Attendez, je vais essayer de voir ce que c'est. Ok, je pourrais en faire avec du tin parfait déjà cuit, tac. Et maintenant on va se faire aussi un autre four parce que là ça ne va plus et on va même pouvoir, attendez, tac, faire un. Ah oui, donc celui-là si vous voulez de four qui vous soit vous donne deux minéraux soit la stone chaque fois que vous faisiez un minerai et l'iron on va se faire ça donc il faut se faire un four avec 1 2 3 4 5 voilà hop ça ira directement plus rapide tac et tac qu'on va mettre oups bon c'est pas grave là dedans on va mettre tout ça et on va se faire cuire ça là dedans on va cuire le fer qui est la base de tout ceci. Ah bah parfait, ça a un peu poussé donc tac. Donc après tout marchera à l'énergie donc même ça ce petit instrument passera en énergie, enfin à l'énergie. Et
et nous aurons plus besoin de tout ce qui est, enfin, on aura plus besoin de crafter beaucoup de choses, donc puisque tout marchera avec l'énergie et tout ce qui est charbon et tout, on aura un peu moins besoin. Donc, ça, bon, l'électrique funky donc qui sert à cuire déjà plus vite, donc regardez là un peu la vitesse si je compare avec ça. On va aussi poser ça et on va même se refaire encore, on va se permettre de faire deux fours. Mais on est comme ça, nous, on est tac pour faire cuire encore plus vite. Donc, pour faire un peu style, on va le mettre comme ça. Donc, tac, tac, et ça. Ensuite, il me faut ma petite hache. Ma petite hache, voilà. Donc je fais toujours des épisodes de 20 minutes, donc j'espère que ça vous paraît pas trop long. Et là en fait, en y réfléchissant, je vais tourner 3-4 épisodes d'un coup pour avoir la suite, puisque j'ai pas mal de boulot en cours et c'est dur pour moi de gérer aussi le tournage et tout ce qui est vidéo. Donc on va aussi en profiter pour aller creuser un tout petit peu pendant que ça cuit tout ce qui est là autour pour faire un peu plus naturel et laisser un peu l'entrée. Je crois que je peux même faire une pelle. Je crois que je vais me faire une pelle. Parce que là c'est un peu lent. Allez. Donc creuser tout ça là. Je peux même déjà. Oula, 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 oula. T'enflamme pas, c'est là. T'enflamme pas. Ouais, donc. Tac, tac, tac et tac, et tac, tac, tac. Et on va même aller chercher du sable par la suite, mais ça c'est par la suite. Donc on va faire beaucoup de choses, hein. Donc c'est vraiment une aventure qui va durer mais vraiment longtemps. Donc j'essaye d'aller assez lentement, de pas de tout bien vous expliquer, de tout bien vous montrer. J'essaie de pas bâcler le travail, donc que vous puissiez reproduire ça sur votre monde, dans votre Minecraft. C'est aussi ça le but, hein. Je suis pas non plus que pour faire une aventure, donc c'est aussi un but pour vous de d'arriver à faire à utiliser ce launcher. Parce que perso, moi, sans l'aide d'un ami, je n'aurais pas pu comprendre tout. Parce que au début, qu'est-ce que je faisais? Je faisais de la recherche aléatoire, donc je tapais là, enfin je regardais comme ça, je me disais alors qu'est-ce que j'ai? Allez voir, je vais par exemple là, non pas là, ça c'est encore des objets de base. Par exemple là, je venais, je disais ah ça je peux faire, donc du raffiné, ah bah je peux faire, donc je peux faire du fer raffiné, allez je vais faire ça. Oh c'est quoi ça, c'est beaucoup trop dur ça. Ah ça aussi, etc. etc. Donc pour finir en fait c'est assez logique, donc comme je vous l'ai dit. Ouh là là, ouh là, ok. Ouh là, hop là, voilà. Non, toujours pas, non, ah. Non, non, oui, non, ah, oh, ah, voilà. Ah. Super. Mince. Voilà, ensuite on va se faire on va faire plus naturel par ici avec la terre. On va déjà se faire un tour de la même hauteur autour de la maison, tac, et ensuite ici ça va, ça joue, tac tac. Poussoir, poussoir, voilà. Tac, tac. Voilà à peu près comme ça. Mais casse-toi de mon chemin. Ouais, c'est à peu près naturel là, non? Allez. Non, là il faudrait. Je surélève encore tout ça. On va un peu les casser dans la colonne par ici. Ici, parfait. Mine de rien, les épisodes passent vraiment très vite. Et c'est
c'est assez dur, donc pour l'instant c'est du Minecraft de base, donc j'espère que ça vous déplaît pas. Donc c'est juste une simple aventure. Déjà je vous montre tout ce qui est basique, avec quoi on doit commencer pour pouvoir bien avancer par la suite. En fait ouais, je vais mettre tout à la même hauteur ici. Tac tac. Tac tac. Ouais bon, on améliorera ça plus tard. Maintenant, on prend tout ça, on ajoute ça. On prend tout ça, on met ça. On récupère tout ça, on met ça. Et ensuite, allez, d'accord, l'aluminium. Donc l'aluminium, on va le prendre en entier. Et le tin aussi, et ça. Donc tout ce qui est aluminium, aluminium, aluminium. Tac, on va aussi poser le gravel. Ça. Donc après, je vous ferai plus différents coffres, bien sûr. Tac, tac. Ah, donc ça, Quicksilver. Waouh, magnifique. Petite dédicace à la marque Quicksilver. Wow. J'ai cru que c'était quelque chose d'autre qu'un poulpe. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, ah, j'avais pas vu ça là-bas. Donc on va juste faire un petit tour de la région. Donc vous voyez là-bas au fond des arbres. Juste d'où il y a de la neige ici. De la neige. Neige. Et ça fait comment ça? Du basalte. Ok. Donc je crois pas que ce soit utile, mais au moins c'est stylé, c'est que c'est un nouveau minerai. Il y a même de la neige. C'est encore oula, 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 oula. C'est encore mieux, donc ça tout ce qu'il fait. Oh, les nouveaux bruits. Oh, j'avais jamais regardé. J'ai jamais pris. On dirait un peu de sable déjà. J'ai vu qu'il y avait des slimes. Donc voilà. Donc c'est des arbres géants. Donc perso, on va pas s'embêter à aller les couper. Hein, parce que perso, ça devrait pas vous plaire. Si je dis pas de bêtises, hein. Parce que perso, moi je veux pas couper un truc comme ça. Mais c'est assez joli donc aussi. Et aussi. Bon, je vais vite vous montrer. Mais vraiment rapidement. Je vais couper et je vais reposer le bloc, hein, vous inquiétez pas. Donc ces arbres là. Ok, j'aurais été bugué. Lui il est bugué. Ah non, voilà. Donc si je coupe, voilà, donc ça fait un quart de d'arbre, de bûche. Et donc si vous le posez même ici, ça fera ça. Donc c'est aussi pas mal niveau décoration. Donc mince, j'étais sûr que je vais pas y arriver à le remettre chaussant. Ah voilà, c'est parfait. Allez, un peu. Aïe, oui, aïe. Voilà. Et donc on va vite faire retourner. Ah, on a même une petite rivière là qui part de ouais, de là. Ça, c'est assez mignon. C'est mignon tout ça. Donc il y a vraiment une répartition, enfin une diversification du Minecraft avec tous ces mods qui est juste énorme. Et ils utilisent toutes les possibilités qu'offre Minecraft de base, et toutes les possibilités un peu possibles, on va dire. Donc franchement, il est vraiment excellent. Donc chaque fois ils rajoutent des nouveaux mods. Et ça, franchement, 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 franchement. Voilà. Donc ça, franchement, c'est. Franchement. C'est excellent. Juste pour ça, moi j'adore. Et donc. Ah, oulala, ça fait. Enfin, oulala. C'est pas oulala, puisque ça me fait plaisir d'être avec vous, bien sûr. Mais c'est déjà. Ah non, c'est bientôt. Donc c'est bientôt l'heure de nous quitter. Donc dans quelques minutes. Oh non, le petit chien. Ah, il y a plusieurs chiens.
Il va se noyer. Waouh, un océan face à nous. Ça représente la découverte. Attendez, je vais tuer la poule. Bouge pas. Oula, j'ai mis le feu. Il va arrêter de bouger. Ah. Oh bah j'ai mis que deux. Magnifique. Moment de silence, de concentration absolue pour essayer de tuer une poule à des coups de boule de neige. Magnifique. Et ces fleurs, elles sont tellement magnifiques. Oh là là. Comme celui-là aussi, il est magnifique, ce petit cochon. Donc il y a aussi des mobs différents. Je ne l'ai pas dit, mais je les ai encore jamais vus, donc je sais pas trop à quoi ils servent. Enfin, je les ai encore pas vus, je sais pas du tout les trouver, je sais pas trop à quoi ils servent. Bon allez, retournons sur notre colline pour se dire au revoir pour ce troisième épisode qui a été riche en minage, donc c'était excellent. Et sinon, un peu d'exploration, mini-exploration, on va dire. Et on se retrouve face à cet océan magnifique. Le soleil, allez. Allez. À plus. Et on se retrouve pour l'épisode 4.